Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc on est le 16 août, il est actuellement 7h27. Je suis en train de sortir prunelle. Voilà. Et après je vais déjeuner. Je vais déjeuner. M'habiller, bah, je suis habillée, je me mets une tenue confortable aujourd'hui. Je me suis pas cassé la tête. J'ai mon nouvel manège chez moi. Donc voilà, jusqu'à ce que je les rende à leurs parents, je pense à être dans la matinée. À part s'il reste manger, ça je sais pas. Il y a ma mère qui vient manger à midi. Voilà. Donc du coup, je vous reprends quand je suis chez moi. Par contre, aujourd'hui, au niveau du temps, il fait pas beau beau beau. Hein. Alors, je vous reprends. Il est 8h13. Là, j'ai commencé à ranger. Enfin, j'ai quasi terminé de m'occuper de ma cuisine. Je laisse juste sécher un petit peu mon lave-vaisselle et après je rangerai tout. Et là, il va falloir que je m'occupe du bureau. Que je fasse les cartes postales que je vous ai parlé hier. Et voilà. Sinon aujourd'hui, le temps, je sais pas du tout ce qu'il avait à faire. Ils annoncent pas grand soleil. Donc ça va faire du bien un peu de que les températures baissent. Et voilà. Et du coup, ouais, dans le bureau, faut que... Attendez, je vous reprends dans l'autre sens. Du coup, là, il y aura les cartes postales, comme je vous disais hier. Ils sont juste là. J'ai ça à ranger aussi. Et je vais avoir tout ça à ranger. Et à faire des photos pour 2-3 trucs, mais il faut que je le note. Et à remettre ça en canapé normal, parce que j'ai mon deux manettes, du coup, ils sont venus dormir. Du coup, ils ont dormi là. Donc voilà. Donc écoutez, je vais finir ce que j'ai à faire et je vous reprends tout à l'heure. Alors je vous reprends, il est 11h30, là je suis en train de descendre pour aller sortir prunelle, si elle me fait pas tomber en coupant la route. Du coup je crois que je l'ai dit ce matin, mais ma mère mange chez moi à midi. Du coup voilà, on va peut-être aller, non non non, allez viens, on va peut-être aller tout à l'heure à Lidl avec mon chéri, il faut jouer avec le gagnant du boulot, voir Loop 360. Si il a le courage ou pas. Et voilà, cet après-midi, je sais pas à quelle heure ma mère va rentrer. Mais après, j'ai toutes les petites choses que je vous ai dit ce matin à faire. Donc du coup, je vous reprendrai tout à l'heure. Donc je vous dis à tout à l'heure. Alors, je vous reprends, il est 14h25. Là, ma mère est partie vers 1h30. Moi, j'ai rangé quasiment toute cette pièce, sauf le dessus de l'armoire qui est juste à côté de moi, parce que j'ai plus le goût, et là-bas au-dessus j'ai un petit peu rangé, voilà, parce que je vais vous tourner du coup le room tour de cette pièce, mais je voulais qu'elle soit un minimum rangée. Donc voilà, je vous pose et je vous prends. Voilà, comme ça sera plus simple. Du coup je vous disais, j'ai rangé toute cette pièce, j'ai accroché un attrape-rêve ici, j'en ai accroché un autre là. Le rouge, je sais plus où je l'ai mis. Il est vers ma fenêtre, mais vous le voyez pas, vous le verrez dans cette fameuse vidéo room tour qui sortira sur ma chaîne principale. Oui, j'ai mis des petites boucles, c'est que j'avais envie. Voilà. Donc voilà. J'ai tout rangé cette pièce. Là, je vous avais parlé, je crois que je vous en ai parlé au début de ce vlog. Je vous en ai parlé dans le vlog précédent. Je veux en fait le mur de. Enfin, le mur. Le côté de mon armoire qui est là, qui donne côté de mon bureau, du coup je veux accrocher quasi toutes mes cartes postales que j'ai, parce que j'en ai là aussi, j'en ai encore une, je crois là, ça c'est des photos, là je crois que j'en ai une là-dedans, ouais, j'en ai une du gros du roi. Donc j'en ai déjà une, je vais voir si je la mets, si jamais j'ai, je vais voir. Il me reste deux timbres, ouais c'est ça, et franchement leurs timbres ils sont trop jolis ces deux derniers timbres. Je vais voir honnêtement si je peux pas m'en servir ici pour envoyer du courrier ou quoi. Donc voilà, j'ai deux petites enveloppes avec. Donc du coup elles, je vais voir, et voilà, donc du coup je vais faire ça. Hop. Du coup, hop, je vais me munir de ma pâte à fixe. Oui, j'ai pris un verre à boire.
Je vais me munir de ma petite pâte à fixe. Donc elle est là. Donc j'en ai un petit peu là. Et tout le reste est là. Je vais me munir de ma pâte à fixe. Et je vais venir accrocher tout ça sur le, on va dire le mur. Donc voilà. Donc je fais ça et je vous montre juste après. Donc je vous fais un avant après. Donc voilà, c'est là que je vous disais où je vais mettre mes cartes postales. Donc du coup, avant, bah, ça donne ça. Et après. Et donc du coup, voici le après. Donc y en a, ils vont peut-être me dire c'est pas joli. Moi, j'adore. Donc voilà, j'ai mis toutes les cartes postales que j'ai. Ou presque. Si on a, vous voyez, là, je peux plus mettre après. Donc, je verrai si j'en remets ou pas plus tard. Si je vais visiter d'autres villes, régions, etc. Donc, je vous montre vite fait. Celle-ci, c'est celle que mon vieux, ma nièce m'a envoyée cette année, vu qu'ils sont partis en Ardèche. Ça, c'est celle que j'ai achetée à Port-le-Gâte. Celle-ci vient de Sainte-Marie-de-la-Mer. Gros du Roi, là où j'étais, où vous avez eu les vlogs. Couliour, qui est vraiment une ville où j'aimerais retourner en vacances. Voilà, j'aimerais beaucoup repartir en vacances ici. La Grande Motte, pareil, ces dernières vacances. Barcarès, j'adore. Encore une de l'Ardèche. Canet Plage. Ici, on a la Camargue. Ici, on en a une de Sainte-Marie-de-la-Mer. Celle-ci, c'est ma meilleure amie qui me l'avait envoyée. Aigues Mortes. Le pont d'Arc en Ardèche. Encore une vieux Gros du Roi. Et Palavas les Flots. Donc voilà. Donc je pense que quand j'aurai pas trop le moral, ben voilà, j'aurai ce joli petit mur pour me souvenir des bons moments que j'ai passés dans ces endroits. Donc voilà. Bon, moi maintenant je vais commencer à monter ce vlog et à vous tourner la vidéo que je vais vous tourner de cette pièce. Donc c'est parti. Alors, je vous reprends. Là, ce que je vais faire jusqu'à à peu près 3h30, 3h45 que j'aille ressortir mon chien. Je vais regarder où j'en suis dans mes vidéos YouTube. Donc, me noter toutes les vidéos que qui me restent à vous filmer. Voilà, vous filmer, à monter, etc. Normalement, niveau montage, je regarde vite fait, mais je suis plutôt à jour. Voilà, j'ai envie de dire, je suis plutôt à jour sur le montage. Donc là, j'ai la vidéo qui sort ce dimanche-là. Donc, on m'a envoyé ce vlog, elle n'est pas sortie encore, mais à tourner. Donc, il faudra que je l'attende, je pense que je l'attendrai demain. Voilà. Pareil, j'ai des vidéos qui sont prêtes mais à tourner, donc je vais noter tout ça. Et voilà. Ensuite, donc j'ai commencé à monter le vlog. À monter le vlog. Faut aussi dans les vidéos à filmer. Faut que je comment ça s'appelle ? Faut que je fasse l'intro et l'outro de la vidéo du retour de cette pièce. Voilà. Et dans un deuxième temps, faut que je fasse sur ce carnet en septembre. Donc là, j'ai pris une bonne pause. Tout juillet, j'ai bossé, donc j'ai pas pu m'en occuper. Août, j'ai été en vacances, je suis revenue, etc. Enfin, voilà. Je me suis pas occupée de mon blog. Du coup, non, c'est que j'ai deux commentaires sur mon blog, mais enfin bref. Donc voilà, et ensuite je vais voir ce que je vais faire. Donc après, je pense que je vais sortir mon chien. Après, à mon chien, faut qu'on passe à Lidl et à Intersport. Et voilà, donc je vais faire tout ça et je vous reprends tout à l'heure. Remember the day you fell in love again.
Every time she would cry on my shoulder, I was here on the line trying to save her. He asked me to come back, and we're not quite right. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know. Even. Alors, je vous reprends. Il va être 4h. Je vais être honnête, j'ai pas encore écrit d'article. J'ai juste fait. Comment dire? J'ai fait ça du blog. J'ai fait pareil pour YouTube. J'essaie d'avancer un petit peu. J'ai fait mes petites. Je vais vous montrer. Mes petites affiches comme ça devant mon bureau. Pour voir à peu près ce que j'ai à faire et tout. Là, je vais aller sortir ma petite prunelle. Je sais pas si elle fait encore tonneau. Non, elle est plus dans son panier, donc c'est qu'elle doit être au salon. Voilà, donc je vais la sortir. Mon chéri, là, va finir d'ici quelques minutes, donc le temps de descendre et tout et tout. Moi, je sais pas si je reste comme ça ou si je me change. J'en sais rien. Je pense que je vais rester comme ça. Je me fous. Voilà, je suis bien. Je suis confortable, donc. Voilà. Je vais voir ça. Va falloir que je range mon lave-vaisselle. Va falloir que je remette les plaques du hall grill. Elles sont pas tout à fait secs encore. Hop. Enfin bref, déjà là, première chose, je vais aller sortir prunelle. Et ensuite, je remonte et je me ferai un petit coup de route. Donc je reprends quand j'en serai au bout de route. Si on n'est pas parti entre temps avec mon chéri. Voilà. Mais je vous reprends dans tous les cas juste après. Voilà, je vous reprends, il est 16h20, là je suis en mode du coup goutte-goutte, j'ai pris 4, vous pouvez voir, petits gâteaux Lotus comme ça, avec du chocolat, c'est ma mère qui m'a fait découvrir ça à Leclerc, et à côté je me suis pris un petit Babybel, donc voilà, pour mon petit goutte-goutte. Alors je vous reprends, il est 16h26, là ça y est mon chéri va arriver, ou est arrivé, je sais pas parce qu'il m'a appelé. Il m'a dit de descendre vu qu'on va à Jiffy. Pas à Jiffy. Si, à Jiffy. Attendez. Si, je crois que c'est Jiffy. Ou c'est pas Jiffy. Non, c'est Lidl. Rien à voir, c'est Lidl, c'est pas Jiffy. Pour regarder une table à repasser. Et après, on va à Intersport. Donc, voilà. Là, je vais prendre mes petites claquettes. Parce que je vous avoue que je n'ai pas du tout le goût de mettre des chaussettes et des baskets. Donc ça sera claquette. Et voilà, si je mettais les bons pieds, ça serait bien. Claquette et on y go. Donc je vous reprends tout à l'heure. Alors je vous reprends, il va être 18h. Là, on vient de rentrer donc du coup d'Intersport et Lidl. Du coup, Intersport, mon chéri, a voulu me prendre des bâtons de marche pour la marche qu'on va faire samedi matin. Donc voilà, ceux des bâtons de marche. Ils ont... Oui. Hop, on peut régler et il y a la table à repasser qui est dans le couloir donc voilà. Donc écoutez, là je vais aller prendre ma douche ou je la prendrai un peu plus tard, je sais pas, mais là je vais aller au salon, c'est à ma soeur donc voilà. Donc écoutez, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Alors je vous reprends, il est 19h15. Là, comme vous entendez, je vais aller prendre ma douche donc. Voilà, je crois que je vous ai déjà montré ma routine pour cheveux. D'ailleurs, je vous ferai vous en parler dans une prochaine vidéo sur ma chaîne principale. Et il faut que j'enlève mes boucles. Je viens de voir que j'avais mes boucles, il faut que je les enlève. Et donc, c'est parti. Et après, je finirai de monter ce vlog. Enfin, je continuerai à monter ce vlog. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Alors, je vous reprends. Il est 19h58. J'ai pas encore mangé, mais je vais m'occuper de ma face. Du coup, pour commencer... J'en ai pris deux, je sais pas, un ça aurait je pense suffit, on va voir, de toute façon c'est pas grave, bref je me parle. Je vais commencer par venir me pchiter ce petit produit là à l'eau de rose, voilà, qui vient de chez Action, que j'adore, et je vais venir faire sécher. Alors vous allez voir que pour mon sérum, ma crème et contour des yeux, je vais l'appliquer avec mes mains.
En fait, je fais, j'alterne. Il y a un coup, je fais avec les rouleaux, un coup, je fais avec mes mains. Voilà, pour la petite précision. Faudrait que je me trouve un petit ventilateur pour faire sécher tout ça. Voilà. Ensuite, toujours dans la même gamme, je vais utiliser la lotion, toujours à l'eau de rose. Toujours de chez Action. Et je vais venir l'utiliser avec un petit coton comme ça, réutilisable, bien évidemment. J'essaie de passer de plus en plus au coton réutilisable. Donc ceux-là, ce sont les tout petits qui sont vendus chez Action. Je vous montrer. Alors moi, j'ai en acheté de l'eau, parce que dans un pochon, donc c'est vendu dans des pochons comme ça, dans un pochon, il y en a 10. Et moi, du coup, j'ai pris deux pochons. C'est-à-dire que j'ai un pochon où il y a les cotons propres et l'autre pochon où il y a les cotons sales. Parce que pour les mettre à laver en machine, il faut les mettre dans le petit filet. Donc du coup, j'y vais comme ça. Et en tout, du coup, j'ai 20 cotons. Parce que dans un, il y en a 10. Voilà. Donc là, je suis en train de les tester. Je vous en reparlerai. Soit sur cette chaîne, soit sur ma chaîne principale, je verrai. Mais voilà, c'est des tout petits. Ils sont tout doux. Voilà, je ne sais pas encore niveau lavage comment ça tient. Mais voilà, là c'est la deuxième fois que je m'en sers, deuxième ou troisième fois. Pour, alors pas pour me démaquiller, j'ai pas encore testé pour me démaquiller. Mais pour appliquer la lotion et tout comme ça, c'est. Ils sont pas mal. Voilà. Donc hop. Et après je mets dans le. Je les range, j'aurais pas dû. Je vais le mettre dans le petit pochon des cotons sales. Donc il y en a déjà un. Hop. Et quand il y en aura, on va dire une dizaine à peu près. Hop. Et en machine. Donc voilà. Sachant qu'en coton réutilisable, que je vous avais déjà montré. Donc j'ai ceux-là maintenant et j'avais ceux-ci avant, les plus grands. Et aussi passe en machine. Normalement j'ai un noir, mais je sais pas où il est. Bref. Donc voilà. Pour ça, c'était la petite parenthèse du jour. Ensuite, je vais venir donc là, hop, nickel. Je viens appliquer mon sérum, donc toujours la même escargot, j'arrive pas à le terminer celui-là. Voilà, hop, donc j'en mets pas beaucoup. Le sérum, c'est pareil, je m'en mets généralement soit le soir, soit le matin. Bon, j'aime bien alterner. Donc voilà, hop. Ce que j'aime bien faire, c'est ça. Faire des petits tapotements comme ça. On monte au fond, on redescend, je fais des mouvements circulaires et j'étire de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Ensuite, je vais appliquer mon contour des yeux. Donc c'est toujours le même, hein, je l'adore donc. Hop, je m'en resserre et lui, je vais le tapoter. En dessous de mes yeux, logique vu que c'est un contour des yeux, et j'ai tendance à en mettre comme ça sur ma paupière. Hop. Voilà, ensuite crème hydratante. Ces tubes, j'ai l'impression qu'ils se finissent pas. Voilà, hop. Je prends toujours un sourcil qui me gratte. Ensuite, petit gommage des lèvres. Donc ça, j'essaie de le faire une à deux fois par semaine. Sauf quand j'ai les lèvres vraiment gercées, j'insiste un peu plus. Donc voilà. Donc là, je viens de gommer. Ah là là. J'essaie d'accélérer parce que ça fait déjà 5 minutes que je suis en train de refaire la routine. C'est à dire en accéléré ou quoi, donc pour vous ça risque d'être long. Voilà, je passe donc du coup le deuxième coton que j'avais. J'aurais dû garder le premier mais c'est pas grave. Voilà. Et je vais mettre mon baume à lèvres. Donc c'est un baume à lèvres iOS que j'ai acheté en solde. Et ce baume à lèvres, il est transparent. Donc il n'est pas transcendant, honnêtement. Mais bon. Et j'ai celui-là de sortie. Sinon l'autre, c'est un qui vient de chez Action avec un SPF à l'intérieur.
Mais vu que j'allais me coucher, ben, j'ai besoin d'un SPF. Donc voilà. Donc voilà pour ma petite routine du soir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir finir de. Enfin, continuer et finir de regarder ma vidéo de Nissi là. Et ensuite, je pense que j'irai manger. Donc voilà, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Alors, je vous reprends, il est 21h. Là, je suis posée dans mon lit, je vais aller faire dodo. Voilà, enfin, en tout cas, je me mets dans mon lit et après, j'irai faire dodo. Donc, je vais arrêter ce vlog maintenant. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook, donc c'est l'univers de Chloé. Sur ce, je vous fais très gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog.